C'est un peu fou, non? Bon, allez, voilà. Hey, salut à tous et à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, enfin ce nouveau vlog. Aujourd'hui, ça va être gros unboxing Vinted. Je pense que je vais faire plusieurs vidéos. Je vais faire petites enveloppes bulles ensemble, gros cartons ensemble et autre chose ensemble. Voilà. Donc, je vais faire plusieurs vidéos. Ça sera sûrement pas publié le jour même. J'ai du mal à parler parce que ça se verra pas hein, sur ma chaîne, sur les vidéos parce que j'en ai plein. Mais ça fait un moment que j'ai pas filmé, donc vous inquiétez pas si j'ai du mal à parler. Si je suis un peu moins à l'aise, c'est parce que ça fait un moment que j'ai pas filmé. Je crois que doit faire un peu un mois et demi, deux mois, un truc comme ça. Et voilà. Oui, je regardais parce que en fait, il y a une dame qui se gare à côté de moi, mais j'ai pas envie qu'elle habite ma titine. Bref, on va commencer tout de suite. Donc, c'est parti pour ce gros unboxing Vinted. Alors, on va commencer par quelque chose, mais j'avais déjà déboxé le carton parce qu'en fait j'en avais besoin pour un envoi Vinted. Et j'ai eu besoin du carton et du coup j'ai pas déballé le papier bulle, mais dedans, oula, j'ai postillonné. Oui, il y a du bordel derrière, hein, mais c'est parce qu'il y a beaucoup et j'aime bien filmer dans ma voiture en fait. Bref, parenthèse fermée. Revenons à nos moutons. Donc je vais déballer le papier bulle et mais j'ai pas déballé hein, donc je sais pas, enfin j'ai pas regardé, donc je vais découvrir avec vous en fait ce que j'ai reçu parce que bon, j'ai vu un peu à travers mais j'ai pas déballé comme avec à nu, tu vois, le truc qu'on le voit tout bien tout. Donc on va voir ça tout de suite. Donc comme je vous dis hein, c'est pas de la triche, j'ai pas triché, j'ai juste déballé le carton, j'ai zozoté. J'ai juste déballé le carton parce que j'en avais besoin pour un envoi Vinted, voilà. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Mais en vrai, il y a deux envois séparés. Il y en a une que j'ai mis dedans parce que j'ai eu peur que ça s'abîme. Donc attendez, voilà. En vrai de vrai, il y a ça plus ça. Donc on va commencer par le plus petit, évidemment. J'aime bien faire durer le suspense, vous me connaissez à force maintenant. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Oui, tout de suite. Voilà. Alors, je sais pas si j'aurais besoin d'un ciseau ou pas. Vous avez vu, pour une fois, cette fois-ci, j'ai tout préparé déjà avant de tourner la vidéo. Parce que d'habitude, j'allume et après je prépare. Mais là, voilà. Pour une fois, on est au top. Donc, alors, attendez. Oh là. Ah ouais, la main, elle a transpercé carrément le papier bulle. Oh, j'espère elle est belle. Alors vous allez me dire que je suis une femme enfant, mais comme d'habitude je pense que c'est plus un secret, ça se voit, même avec mon haut, même avec le décor, bon ça se voit quoi. Et puis vous connaissez mes vidéos, donc voilà. Après j'aime bien parler de sujets sérieux, voilà, mais je pourrais pas le faire tout de suite pour des raisons très personnelles. Et voilà, j'ai pas envie que ça joue contre moi. Même si j'aimerais bien, franchement, j'aimerais bien aborder plusieurs sujets sérieux. Parce que je ne suis pas que ça, je ne suis pas que des achats, je ne suis pas que... je ne suis pas que des achats, quoi. Voilà, donc forcément, vous doutez bien que je parle avec des gens dans la vraie vie de sujets sérieux et divers, hein, voilà, donc... Ouh, elle a un visage bizarre. Mais par contre, la queue, elle est trop belle. Il y a pivote et tout. Alors, c'est du Disney, hein, j'ai oublié de préciser, mais là, c'est du Disney. Pas pour tout. Mais là, franchement, les unboxing Vinted, là, sont vraiment diversifiés. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir que du pet shop. Je crois même pas qu'il y a de pet shop, d'ailleurs. Voilà, donc pour une fois, c'est diversifié. Voilà, il y a beaucoup de choses différentes. Elle est magnifique. Par contre, son visage me fait un peu peur. Mais bon. Donc, en fait, je vais réutiliser le... Je pars dans tous les sens, excusez-moi, hein, franchement. Voilà, donc je vais réutiliser le papier bulle, hein, c'est pour ça que je l'ai mis là-bas. Ou par contre, elle est un peu à dépoussiérer, à laver, sachant que je suis allergique à la poussière et aux acariens. Donc voilà. Donc j'ai reçu, je sais pas si on va voir. Attendez. Je cherche un petit truc. Je devrais avoir une feuille blanche à chaque fois que je fais un unboxing parce que. Après, il a du mal à zoomer. À moins que. Attendez, mise au point. Peut-être qu'il arrive mieux comme ça, non? On voit pas encore là. On voit pas là. Alors. Voilà, là on voit mieux. Donc j'ai pris une petite figurine. C'est pas une poupée. Parce que c'est tout en plastique. Et vous voyez la queue, elle pivote. Mais la queue, elle est vraiment sublime. Je sais pas si vous allez voir la caméra.
Mais voilà, il y a plein de petites paillettes tout le long de la queue, même en bas, les détails sont vraiment super bien faits. Regardez la nageoire, enfin la queue, elle est vraiment super bien faite, la queue de la sirène. Donc c'est la petite sirène, hein, c'est Ariel. Par contre, vous avez vu son visage, je sais pas, il y a quelque chose de bizarre qui fait un peu flipper. Mais voilà, elle est mignonne, hein. Les mignonnettes, j'aime beaucoup. Elle me fait penser au passage où elle chante là dans la grotte. Dans la grotte. Enfin, caverne, grotte, bon, c'est pareil. Et voilà, et même là, le soutien-gorge coquillage, il est violet pailleté, là, il est vraiment sublime. Par contre, c'est un peu sale au niveau des creux dans la chevelure. Donc du coup, faut que je nettoie, hein, parce que je peux pas laisser ça. Moi, je suis allergique à la poussière, donc voilà. Oui, un peu de poussière. Parce que la personne m'a dit qu'elle avait servi juste d'exposition. En fait, elle était neuve, mais elle s'en est pas servie longtemps, donc du coup, voilà. Donc elle est vraiment très, très jolie. Franchement, sublime. Sublimissime. Dommage qu'on voit pas trop bien les paillettes à la caméra. Bon, je vais essayer de zoomer un peu plus. Ouais, voilà, on voit à peu près, hein, de toute façon. Bref, c'est pailleté. Alors, attendez, on est en bon, là? Ouais, c'est bon. On va ouvrir le deuxième. Donc, du coup, ça, je vais le ranger. Je vais essayer de pas le péter, parce que moi, comment je suis douée, des fois, je casse les trucs. Donc, on va essayer de ranger ça. Voilà. Dommage que, franchement, là, si j'ai une feuille blanche... Dans les prochains colis là, vous savez les feuilles d'envoi là, les feuilles d'expédition, je vous montrerai avec le focus, parce que là j'ai pas pensé, et je devrais prendre une feuille blanche à chaque fois parce que j'y pense jamais pour faire l'autofocus, parce que du coup ça bug des fois. Alors, ah ouais, j'imaginais pas ça comme ça. Du coup je vais peut-être les refoutre sur Vinted. Ça s'allume ou ça s'allume pas même? Ça date de 2010, c'est Mattel. Pourquoi je parle à voix basse moi? Je suis folle. Par contre, je croyais que ça s'allumait, mais en fait, ah non, les queues sont transparents en fait. Ah, par contre, le nom des sirènes, vous m'excuserez, mais je connais pas le nom des sœurs par cœur. Ah ouais, je pense que je les revendrai. Hein. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Donc, on a une de ces sœurs qui est violette comme ceci, mais sur la photo, ça rendait pas pareil. Donc, franchement, elle est vraiment belle, j'aime beaucoup. Après, les nageoires sont en espèce de... Oh, ça me rappelle les poupées qu'on avait dans les années 90, parce que les nageoires, elles étaient un peu comme ça. Un peu holographiques, mais toutes fines comme ça. Enfin, sans détails tout bêtes. Donc voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, vous voyez, le bas de la queue est vraiment transparent pailleté. Translucide pailleté, pardon. Et c'est violet. Et donc là, vous avez... franchement, les détails sont sublimes. Juste, je pensais pas que c'était à ce point transparent, en fait. Je pensais qu'à l'intérieur, c'était comblé, que c'était... Enfin, c'était un peu translucide, mais pas à ce point-là. Donc, je pense... je pense... Je remettrai ça sur Vinted. Il y a des petites filles qui seront très contentes de l'avoir. Ouais. Ouais, parce que l'autre, autant elle est belle, mais là, j'avoue que... Autant ça s'allumerait, j'aurais peut-être gardé, mais là, je vois pas de bouton pour que ça s'allume ou quoi. Il n'y a pas l'air d'avoir de bouton. Donc, voilà. Mais franchement, elle est très très belle, hein. C'est pas ça le problème, mais je me dis, qu'est-ce que je vais en faire, quoi. Voilà, ouais, je pense que je la remettrai sur Vinted. Donc vous avez celle-là, hein, vraiment sublime, très très belle, les détails. Voilà, là on voit mieux les détails, je trouve. Voilà, vraiment sublime, sublime. Bon, après, on voit qu'elle a servi, il y a eu quand même une coupe de cheveux qui n'est pas la coupe de cheveux d'origine, je pense. Mais c'est pas très grave, hein, ça se voit pas en soi. Donc, c'est une 2010 Mattel, production Mattel. Ah, attendez, j'ai une idée. Voilà, je pense que comme ça vous voyez mieux. Ah voilà, génial. Donc vous voyez, c'est une 2010 Mattel. Et franchement, les détails sont vraiment... Voilà, là on voit mieux, je suis contente. Sublime, sublime. Donc voilà, voilà. J'ai pris un petit fond bleu pour que vous voyez mieux. Voilà, franchement, vraiment très très belle. Après, est-ce que je vais les garder? Je pense pas. Je m'attendais pas, en fait, comme je vous ai dit, à ce que la queue elle soit vraiment comme ça. Je pensais que c'était un peu plus foncé et comblé à l'intérieur. Donc, on verra bien. Ensuite, il y avait elle comme sœur. Bon, elle est mignonne en soi, mais... Ouais, pareil, qu'est-ce que je vais faire de ça, moi? Ouais, je sais pas, on verra. Donc, alors, on a celle-là. Franchement, elle est vraiment belle, blonde, aux yeux bleus, couleur corail au niveau du coquillage, et là c'est rose perlé, ouais, un truc comme ça. Et puis là, vraiment, les détails, pareil, au niveau de la queue, attendez, je vais zoomer, voilà. Donc pareil, au niveau de la queue, hein, vous voyez, c'est vraiment, voilà, orange pailleté, un peu rouge orangé quand même, j'avoue, mais voilà. Et normalement, c'est une 2010 Mattel, celle-là aussi.
Voilà. Donc il faut savoir qu'elles sont très très rares à trouver aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de production avec les sœurs d'Ariel de la Petite Sirène. Hein. Donc voilà, elles sont très très difficiles à trouver aujourd'hui. Donc ah ouais, c'est fabriqué en Indonésie. Ok. Voilà, voilà. Bon, je verrai à tête reposée qu'est-ce que j'en ferai, si je les garde, si je les garde pas. Ensuite, on a la Petite Sirène. Alors pareil, hein, on voit que sa coupe, elle a été refaite, mais bon, pas très grave. Avec, ouais, la queue transparente, vert pailleté, pareil, et les nageoires holographiques. Et le petit soutif Jolly Rose. Donc voilà, elle est comme ceci. Donc franchement, elle est vraiment très très belle. Donc voilà. Bon, après, il y a un peu la nageoire qui retombe, mais c'est normal, hein, c'est pas épais, donc voilà. Donc, hein, je le répète, hein, mais si ça vous intéresse, mon Vinted est en barre de description, donc voilà. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Il y a peut-être des trouvailles qui vous intéresseront, enfin des choses qui vous intéresseront, et donc voilà, tout court. Donc pareil, c'est une 2010 Mattel, celle-là, voilà. Bon, après, elles sont toutes jolies en soi, je vous les remontre une dernière fois. Donc on a celle-là et celle-là. Voilà, elles sont très très belles hein, en soi, voilà, on va pas se plaindre. Mais ouais, je verrai si je les garde ou si je les garde pas. On verra, on verra. On sent un petit peu dans ma voix la déception quand même, mais je verrai bien si je les garde ou si je les garde pas. Ouais, je verrai. C'est vrai qu'avec réflexion, je me dis quand même, qu'est-ce que je vais faire de ça. On verra. Heureusement qu'à Vinted, parce que vous voyez, des trucs comme ça, si un truc vous plaît pas, au moins vous pouvez le revendre comme ça, quoi. De toute façon, Vinted, c'est un peu une brocante en ligne, donc moi j'aime bien vendre sur Vinted. C'est vrai que ça me permet, voilà, si je regrette d'avoir acheté un truc sur le moment et que au moins, voilà, c'est pas grave, je me dis, ça va resservir à quelqu'un d'autre, c'est pas de l'argent perdu parce que je le récupère en revendant, voilà, donc c'est pas perdu dans tous les cas, voilà. C'est le point positif de tout ça, mais voilà. Donc alors, on va ouvrir, ouais, peut-être l'autre colis qui est dedans là-bas, attendez. Comme ça, ça sera fait et ça me permettra de libérer un peu d'espace pour ranger. Donc nous avons un carton comme ceci, voilà, donc on va voir ce qu'il y a dedans. Je crois savoir ce qu'il y a dedans, il me semble que c'est du Disney encore, donc c'est pour ça que je vous le montre maintenant, on verra. Alors, il faut pas que j'abîme le carton. Oula. Oula. Ah ça va, on voit pas l'adresse, j'avais peur, je viens de tilter, je me suis dit j'espère qu'on voit pas l'adresse dans la caméra. Oh là là. Non mais je vous jure. Ah, attendez. Ouais. Ouais. J'essaye toujours de pas abîmer les cartons pour faire des réutilisations. Ah ça va, c'est bien emballé. Alors on n'a pas de petits mots, mais je vais garder la feuille blanche, comme ça va me servir pour faire les autofocus. Parce que l'appareil tout seul, je sais pas ce qu'il a, il a du mal. Donc je suis obligée de l'aider. Donc alors, c'est un Sweet Daisy. Alors attendez. J'espère que je vais pas être déçue. J'espère que c'est pas trop une matière qui gratte. On va voir. Alors l'extérieur, bon, on voit qu'il est passé en machine, pas visuellement, mais au toucher on le sent. Dans le sens que c'est un peu, vous savez, matière, il n'y a pas de bouloche, mais c'est un peu, on sent qu'au toucher c'est un peu rugueux, un peu fripé, voilà. Donc est-ce qu'il est polaire à l'intérieur? Oui, il est polaire à l'intérieur, donc j'espère qu'il ne me grattera pas. C'était une taille L et je le trouvais trop chou, franchement. Par contre je pensais que c'était un gris un peu plus foncé, un gris un peu plus chiné, mais c'est pas un gris chiné, donc voilà. Mais c'est pas grave, hein. De toute façon je verrai si ça me va, et après ben, si ça me va pas, je le refoutrai sur Vinted, hein, de toute façon, dans tous les cas. Donc voilà. Vous allez me dire, mais pourquoi tu donnes pas? Alors avant je donnais beaucoup, je donnais tout le temps même. Et c'est seulement cette année que j'ai pris la décision de vendre des choses, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de choses. Et déjà pour que ça se fasse une seconde main, que ça puisse servir à d'autres gens et que ça finisse pas, voilà, comme ça. Et aussi parce que j'ai besoin d'argent, voilà, comme tout le monde je pense. Mais surtout cette année, parce que voilà, des projets professionnels et personnels, et voilà, et j'ai besoin d'argent, de vivre et de survivre, voilà. Donc c'est pour ça que je vends des choses sur Vinted, voilà, et parce que aussi j'ai envie de me débarrasser de la charge émotionnelle des objets que j'ai, parce que vous savez, moi j'ai tendance à mettre des souvenirs et de l'émotionnel dans les objets, donc du coup c'est pour ça que je m'en débarrasse, et puis je me dis au moins ça fait plaisir de savoir que d'autres gens vont être contents, que d'autres enfants vont profiter de certaines choses, enfin voilà, je me dis c'est bien.
Mais avant, tu vois, je me sacrifiais dans le sens que avant, tout le temps, je donnais soit à des amis, soit à des gens que je connais pas, soit, bon, des fois des SDF, mais bon, ça, j'ai pas trop envie de le raconter là-dedans. Voilà, c'est pas censé être dit, c'est pas censé être montré, voilà. Et des fois, dans les roulottes de, comment on appelle ça, les roulottes, la Croix-Rouge, ouais, je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Et donc, voilà. Donc, je vous montre le sweat. Il est comme ceci, il est long. Après, à voir, je sais pas si au niveau de ma taille. Bon, ça fait comme un S, franchement. Ça taille petit. Mais je pense que ça venait, je sais pas si ça venait de chez Kiabi ou quoi, mais bon, c'est un sweat à capuche, comme ça, à manches longues. Et vous avez la particularité d'avoir des i comme ça, avec le nœud jaune et puis la petite tête. Sympa, par contre, ça sniffe un peu, ça. Faut le mettre en machine, hein. De toute façon, vous savez, tous les vêtements, quand vous les avez neufs, et même quand vous recevez d'occasion comme ça, faut jamais porter un vêtement pas lavé, parce que vous savez pas qui l'a essayé, si la personne avait une maladie de peau, ouais, vous savez pas, donc, de toute façon, niveau hygiénique, c'est toujours mieux de laver un vêtement avant de le porter, mais je pense que, bon, excusez-moi, j'ai la gorge qui gratte, la gorge, oh non. J'allais dire la gratte qui gorge, ça y est, ça recommence, je reparle en anglais, français, j'ai dit français, oh mon dieu, je suis irrécupérable. Bref, je disais quoi déjà? J'ai perdu le fil. Voilà, donc ouais, je sais plus ce que je disais, tant pis, au pire ça me reviendra pas, mais bon voilà. Ouais, donc faut toujours laver les, oui voilà, faut toujours laver les vêtements avant, hein, de toute façon, voilà, donc je pense que je vais le laver de toute façon parce qu'ils sont un peu bizarres dans tous les cas, voilà, et parce que je suis un peu hypochondriaque, un petit peu j'avoue. Donc voilà, voilà, donc c'est un officiel, hein, c'est une taille, c'est un officiel Disney, je vais y arriver, et c'était une taille L. Par contre, je sais pas si c'était du Kiabi ou la Halle, attendez, on va vérifier. Ah non, c'est vraiment du Disney officiel, attendez. Non, il n'y a pas de sous-étiquette, donc je pense. Ah ouais, 85% coton quand même et 15% polyester. Je pensais pas, hein, vu la matière, franchement, je pensais pas. Comme quoi, ça veut rien dire, vous avez des trucs, ça peut être de la bonne matière et s'abîmer super vite aussi. Donc franchement, vous voyez pourquoi ça sert à rien de prendre tout le temps le must qualitatif ou des trucs comme ça, quoi. Donc voilà. Bon, elle est sympa, hein. De toute façon, ça va tailler comme un S parce qu'il taille petit quand même. Après, je pense au niveau des essorages, comme c'est du coton, si la personne elle a essoré dans la machine, du coup, bah, ça rétrécit un peu. Voilà. Donc voilà et voilà. Très sympa. Bon, je vous fais pas un try-on dans la voiture, hein, parce que j'ai pas envie que tout le monde me voit à poil non plus. Donc voilà. Voilà, très sympa. Bah, on va passer au unboxing suivant. Donc je suis très contente. Le polaire à l'intérieur est toujours un petit peu doux. J'espère que ça gratte pas. Si ça gratte, dans le pire des cas, je le mettrai sur Vinted. Et si ça me va pas au niveau du teint, ça retournera sur Vinted. Voilà. Parce que aussi des fois il y a des couleurs qui me vont pas au niveau du teint. Et puis voilà, c'est comme ça. Ouais, non, c'est bon. On va passer au gros. Comme ça, ça me permet de ranger à l'intérieur. Donc on a un colis comme ceci. Franchement, j'ai vraiment attendu de recevoir plein de colis pour vous faire un vlog, voilà. Parce que je me dis, c'est bien les colis un par un, mais bon, j'espère que la vidéo, elle va pas durer 10 ans, parce que moi, je parle, et après, voilà, c'est tout le temps comme ça, avec les colis, quand je monte des objets, j'arrive pas à m'arrêter de parler, j'ai toujours besoin de donner l'avis sur tout, de dire tout. Voilà. Merde, j'ai foutu où le ciseau? Ah non, c'est bon. donc voilà, on va voir tout de suite, je vous montre pas l'adresse, hein, évidemment, j'espère qu'on la voit pas. Non, c'est bon, on la voit pas. Donc, ah oui, ça aussi je crois me rappeler ce que c'est, vu la taille, par rapport à la taille du colis en fait. Je sais que j'ai pas commandé de gros trucs au niveau de la forme, il y a que celui-là qui avait un gros truc et le sweat du coup, donc voilà. Donc je pense qu'il y a du Disney, ça je pense que c'est encore du Disney, voilà. Ah oui, hein, là je suis peut-être retournée dans une phase de merde, je pense quand même. Alors attendez, on va essayer de... Oh, j'ai le nez qui me chatouille, j'ai la narine qui me chatouille, j'ai un truc dans la narine là. On va essayer de découper.
proprement la chose, parce que ça serait pas mal si je peux m'en resservir de celui-là. Parce que souvent, quand il y a des envois fragiles, j'ose pas mettre ça dans un carton qui est pas solide. Parce que je me dis, moi, à la place des gens, j'aimerais pas recevoir le truc cassé. Voilà, donc, et j'aime bien que le carton soit solide, pas humidifié, etc. Parce que sinon, voilà, ça passe pas. Alors. C'est la lutte. Alors, attendez. Ah. C'est bon. Comment ça s'ouvre? Et je vous jure, des fois, il y a des cartons, je comprends même pas l'ouverture, comment ça s'ouvre et tout. Oh merde, j'ai pas montré l'adresse, j'espère. J'espère pas. Ah oui, non, c'est bon, ça s'ouvre pas là. Et vous avez des cartons compliqués, hein, quand même, les gens à qui j'achète des trucs sur Vinted. Je trouve que vous avez des trucs compliqués au niveau des cartons. Moi, je sais pas. J'arrive pas à trouver des cartons compliqués comme ça. Mais tant mieux, ça fait travailler le cerveau. Vous savez, les choses dont on n'a pas l'habitude, généralement, ça fait travailler certaines zones du cerveau qu'on n'a pas l'habitude de faire travailler non plus. Donc, c'est bien. Ça permet d'apprendre de nouvelles choses. Alors, attendez. Merde, comment ça s'ouvre? Il y a un pli, là? On peut ouvrir, là? Ah ouais, attendez. Moi, j'ai tout loupé encore. Yes, c'est bon. On a ouvert. Attendez, j'ai juste envie de me moucher 2 secondes parce que il y a un truc qui me gêne dans la narine. J'aime bien filmer dans la voiture parce que ça me sort un peu de ma zone de confort. C'est-à-dire que j'ai pas l'habitude de m'exposer aux gens comme ça. Et de base, je suis extravertie mais je suis quand même pas mal timide. C'est-à-dire avec les gens que je connais pas. C'est logique en même temps, vous me direz. Mais je suis pas mal timide, enfin méfiante, voilà. C'est plus pour ça que j'ai du mal à m'exposer comme ça. Et c'est aussi pour ça que je fais YouTube. Bah, en partie pour montrer qui je suis, pour ne pas avoir peur justement de montrer qui je suis aussi. Et de montrer mes goûts, ce que je pense, et puis voilà. Et puis si ça plaît pas, tant pis. Alors, bon, fini le blabla, là on commence, c'est bon. Donc, ouais, attendez. On va mettre ça là-bas. Ouh, c'est bien emballé. On a beaucoup de papier journal. Alors j'espère qu'il n'y a rien qui est cassé, parce que comme j'ai laissé ça pas mal de temps dans mon coffre, et que... Alors, première chose. Ah, je la pensais plus grande. En fait, j'ai acheté une boîte Disney en métal parce que je me suis dit que ça pourrait me servir de boîte de rangement. Et je pensais que le truc était vraiment plus grand. Parce que quand on voit sur la photo, on dirait que la boîte, elle fait ça. Et en fait, elle est un peu plus petite. Et dedans, c'est une boîte à biscuits. Bon, je l'ai pas acheté pour les biscuits parce que moi, les biscuits sablés pur beurre, c'est pas du tout mon truc. J'aime pas du tout ça. Mais je sais que ça servira à la famille, les autres membres de la famille. Je sais que ça servira aux autres membres de la famille et tout, donc pas de soucis, ça. Si ça se trouve, ils sont bons, j'en goûterai un, mais je l'ai pas acheté pour ça. Donc j'ai acheté pour le décor, parce que faut savoir que j'aime bien tout ce qui est celtique, tout ce qui est décor écossais, etc. Et ça, je sais que ça me servira de boîte de rangement, et en plus, comme c'est en métal, oui, parce que j'adore les boîtes en métal pour ranger, et puis j'ai toujours des trucs à ranger. Surtout pour le make-up, pour que ça isole bien de la chaleur, de l'humidité et du froid, pour éviter que les produits, soit ça sèche, soit tournent. Voilà. Donc j'ai pris une petite boîte comme ceci, voilà, qui vient de Disneyland Paris, donc le parc. J'habite pas loin, mais franchement j'ai la flemme d'aller là-bas à chaque fois. Il me faut 45 minutes en voiture, je crois, pour aller là-bas, donc la flemme. J'avoue, je suis un peu flemmarde. Donc franchement, voilà, elle est vraiment très très jolie, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup en fait. C'est ça qui m'a séduite tout de suite. C'est quand j'ai vu la photo, ça m'a séduite tout de suite. Déjà il y a Plutôt, j'adore Plutôt. Il y a Minnie et il y a Mickey, mais en version écossaise comme ça, vraiment le côté un peu magique. On va reprendre parce que ça a coupé. Donc je disais en fait, ce qui m'a séduite, c'est que j'aimais quand j'ai vu la photo, tout de suite, j'ai eu un coup de cœur parce que j'aime beaucoup tout ce qui est celtique, tout ce qui est écossais. Et puis, il faut savoir qu'il y a Pluto, j'adore Pluto. Il y a Minnie et il y a Mickey. Et donc, du coup, voilà, j'adore. Après, c'est des petits biscuits comme ça que vous avez à l'intérieur. Bon, la boîte, si vous voulez la retrouver à Disneyland Paris, elle coûte 12,99€. Voilà, mais moi, je l'ai pas pris ce prix-là. Je l'ai payé moins cher parce que le gars vendait moins cher. Et c'est pas périmé. Hein. Il m'a pas vendu un truc périmé parce que... comment on dit ça? La date de péremption, la DLC, elle est le 30/11/2020. Donc voilà, il y a de la marge. Ouais, il y a de la marge. Par contre, ouais, j'ai l'impression qu'au niveau du clapet, elle a du mal à fermer.
Peut-être qu'elle a un défaut, c'est pour ça qu'il l'a vendée. Oh, je m'en fous, de toute façon, moi c'est pas pour mettre de la nourriture. Donc voilà, franchement, elle est vraiment très très belle, j'adore. Et en fait, vous avez des biscuits comme ça dedans. Voilà, c'est des petits biscuits sablés avec la tête de Mickey dessus. Il y a que Mickey, hein. Ouais, il n'y a que Mickey. Ouais, il est pas très bien fait le dessin sur le biscuit, mais bon. Voilà, c'est sympa, hein. De toute façon, ça sert toujours. Ça servira pour la famille, les biscuits et moi de boîte de rangement. Je suis un peu longuette là à parler, hein. Mais je suis claquée en ce moment, franchement. Je suis fatiguée, je suis pas dans mon meilleur état en ce moment. Donc voilà. Ensuite, on a un deuxième truc. Oula. On a perdu un truc en cours de route. Donc on a un deuxième truc comme ceci, dans du papier bien emballé. J'aime beaucoup le papier crépon. Je m'en resserre surtout pour les envois de bijoux et les trucs fragiles, oui, pareil. Donc, on va voir. Ah oui, là, c'est bien emballé. Mais je préfère, j'aime... Moi, je préfère, j'aime bien quand c'est... J'ai vraiment du mal à parler, hein. Vous m'excuserez, mais bon... Et à m'exprimer. Mais j'aime vraiment bien quand c'est très bien emballé comme ça. Je préfère que ça soit sur-emballé que mal emballé. Pas assez emballé. Donc on a une tasse comme ceci, c'est un mug Disney qui vient de Disneyland Paris aussi. Et c'est les nouveaux avec la tête de la fée Clochette. Et à l'intérieur vous avez le décor mythique de Peter Pan qui va voir les sirènes. Donc voilà, donc franchement j'adore. Je suis vraiment ravie, elle est super belle. Elle est sublime même, elle est magnifique. Par contre, est-ce qu'elle se met au micro-ondes ? Elle se met pas au micro-ondes parce que vous avez les dorures. Mais c'est pas très grave en soi. Voilà, j'ai d'autres tasses pour faire les boissons chaudes. Et celle-là, elle me servira pour les boissons froides. Écoutez, voilà, hein, c'est bon. Voilà, franchement, elle est sublime. J'adore le décor. La poignée est bleue comme ceci. À l'intérieur, c'est bleu. Et là, derrière, vous avez... voilà. Avec les étoiles sont dorées, hein, comme la... Comment on appelle ça ? La bordure ? Voilà. Comme la bordure. Donc c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Ça fait très longtemps que j'ai pas recraqué sur des tasses Disney. Franchement, celle-là, elle valait son prix et le coup, quoi. Et voilà, de toute façon, c'est écrit derrière que c'est un produit exclusif. Et souvent, les produits exclusifs, après, deviennent très rares à retrouver, plus qu'ils sont exclusifs du parc. Voilà. Donc franchement, sublime, sublime, sublime. J'adore. J'adore. Donc voilà, je vais la remballer pour éviter de la casser... jusqu'à chez moi, avant qu'elle arrive chez moi. Voilà. Bon, attendez, parce que j'ai foutu le bordel. Alors, un bordel monstre. Moi, de toute façon, tout le temps le bordel. Donc voilà. Il me semble qu'elle... Ah oui, voilà, il y avait un troisième truc. Je sais plus c'est quoi le troisième truc. J'ai complètement oublié. Donc voilà, hein, comme ceci, je vais pas montrer, mais bon. Ah ouais, il est neuf. Oui, je m'en rappelle, ça y est. C'était... comment on appelle ça? C'est un tour de cou. Moi, je m'en sers pour les clés, voilà, clairement. Ils les ont fait un peu plus solides parce que les premiers au tout début n'étaient pas très solides, je trouve. Et là, ils les ont fait vraiment un peu plus solides. Je suis vraiment contente. En plus, il y a un scratch. Donc, c'est le Roi Lion. Vous savez que moi, j'étais fan du Roi Lion quand j'étais petite. C'est le premier film que j'ai vu au cinéma. J'avais 5 ans. Voilà. Donc, Team 1991. Et donc, voilà, franchement, vraiment super belle. Attendez, on va prendre la feuille. Donc franchement, vraiment super belle le tour de cou comme ceci. Donc vous voyez, bon ça j'enlève les cartes à chaque fois, je les garde pas moi. Oh, d'ailleurs, ça serait une bonne idée de les revendre peut-être sur Vinted ou soit j'en ferai des manettes pour les frigos. J'en ferai des manettes pour les frigos, ouais, je pense. Bon, c'est simple à faire des manettes à frigo. Donc voilà, franchement super beau, les dessins sont vraiment super bien faits, vraiment comme en 1990, enfin dans les années 90, les dessins étaient vraiment bien faits comme ça, pas 3D, pas version un peu moins réaliste, ils sont vraiment bien faits, voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, ils me rappelaient vraiment à l'époque comment ils étaient faits, et là j'ai vraiment l'impression que le truc il vient des années 90, donc voilà, je suis vraiment trop contente. De l'autre côté vous avez Nala, Sarah Bean, Scar et Zazu. Faut savoir que mon premier chat familial qu'on a eu à la maison il s'appelait Zazu. Voilà, donc voilà franchement très très belle, il n'y a rien à dire. Pareil, hein, je l'ai pas payé cher, et là vous avez un espèce de scratch, je vais pas montrer, mais au bout voilà, avait un espèce de scratch comme ceci, donc ça c'est plutôt pratique, j'avoue. J'en avais d'autres, j'ai Alice au Pays des Merveilles et les tout premiers qu'ils ont fait, et Pampan, c'était au Printemps Fleuri, je sais plus quelle année, 2017 ou 2016, un truc comme ça, 2017 je dirais plutôt, et ou 2015, je sais plus. Bref, tout ça pour dire que ils sont bien, mais il n'y a pas les scratchs, et là c'était un peu moins solide, alors que là c'est on voit que c'est quand même, attendez, quand même un peu plus solide, voilà.
Donc on voit que c'est quand même un peu plus solide et c'est doré. Moi j'adore quand c'est doré. Et les autres que j'ai, je crois que les l'embout comme ça, il est argenté. Donc voilà. Franchement, top. J'adore ce colis-là. Il est top, top, top. Là, il y a zéro déception, zéro nada. Bon, mis à part que la boîte sera plus petite, mais bon, c'est un léger détail. Et puis, je pourrais foutre dedans des vernis, des baumes à lèvres ou des fonds de teint. On verra bien, c'est pas grave. Voilà. Donc, voilà. Mon Dieu, après, il faut que je range tout. Quel bordel. Full bordel. Bref. Alors, on a encore un comme ça, un comme ça. Et, pardon, j'allais montrer l'adresse. Et un comme ça. Donc, on va voir ça tout de suite. Je commence par le premier, donc celui-là. Franchement, je sais plus ce que c'est. Alors, attendez. On voit clair, là? Ouais, c'est bon. Ah, encore un défi. Un carton compliqué. C'est pas grave, j'aime bien les défis. C'est un bon défi pour mon cerveau. Attendez. Bon, j'ai ouvert que d'un côté. Est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. Voilà. Attendez. Hop. Alors, je sais plus ce que c'est. Oh, ah oui, d'accord. Alors ça, faut savoir que je l'ai racheté parce que je l'avais quand j'étais petite. Et je pense que les petites filles des années 90 ont connu ça. C'était en fait une... Comment on appelle ça? C'était un porte-savon. Et je crois que c'était la marque Barbie. Je sais plus trop, ou Mattel. Mais franchement, c'est mythique. Ah ouais, le truc, il est neuf et tout. Bon, j'ai juste une tâche à enlever. Mais ça partira avec de l'acétone et du coton-tige et du... dissolvant, voilà, dissolvant plutôt qu'acétone, c'est un peu plus fort. C'est la même chose, mais bon, voilà. Et ouais, j'avais ce porte-savon. Moi, il semblait qu'il était plus grand que ça quand j'étais petite. Mais quand on est petite, on voit tout plus grand aussi. Hein. Certains objets, on les voit plus grands. Donc j'avais ça quand j'étais petite. C'est un porte-savon et franchement, il est magnifique. Et je suis sûre que vous êtes plusieurs à le connaître, que vous l'avez eu quand vous étiez petite. Et là, il est neuf et moi, je vais m'en servir quand j'aurai une vitrine en décoration parce que franchement, il est vraiment trop beau. Ouais, il est vraiment trop beau. Donc c'est comme ceci. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc franchement, peut-être de loin. Voilà. Donc elle est comme ceci. Franchement, elle est vraiment super belle. Les détails sont vraiment super beaux. Là, vous avez un petit papillon. Et franchement, très très beau. Là, un petit nœud dans les cheveux. Les détails des cheveux, vous voyez, sont vraiment super, super bien faits. Franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Et là, en fait, à la base, vous posiez un savon solide, quoi. Mais il me semble qu'elle existait en bouteille aussi avec du savon liquide. Alors que c'est la marque Grosse Vénor qui fait ça. Et oui, c'est ça. C'est Barbie is a trademark. 1995 Mattel, purée. Ça date de ouf. Attendez. Ouais, c'est ça. Vous voyez, juste ici. Voilà, vous voyez, franchement, c'est ouf. 1995 Barbie. Super belle, je suis ravie. Elle est... Je suis ravie. Voilà, tout court. Voilà, donc on va passer... Il y avait un autre truc dedans, je crois. Oui, oui, oui. Alors là, ne partez pas, hein, parce que c'est encore un truc des années 1990 que je pense que vous étiez nombreux à kiffer. Donc, on a un deuxième truc comme ça. Et en fait, c'est... Ah oui, elle a mis la poupée au fond. J'ai eu peur qu'il n'y avait pas la poupée. C'est un... Vous savez... qui c'est qui faisait ça? C'est Globe... attendez. Il y a Galoche... Galop, voilà. Il y a Galop qui faisait ça. Et ça s'appelait les Sky Dancers. Sauf que là, c'est les tout premiers Sky Dancers, je crois. Il n'y a pas écrit l'année. Ah non. C'est les nouveaux Sky Dancers, par contre. Pardon. Ceux qui sont arrivés en 2004. Mais ce que j'aimais bien, c'est que je trouve le truc, il fait vachement ancien. Faudrait que j'allume voir si ça fonctionne. Il fait vachement ancien. Et c'est exactement les mêmes lanceurs que Galob. Alors attendez. Voilà, comme ceci. C'est vraiment comme les premiers lanceurs qu'il y avait des Sky Dancers. Et voilà. Franchement, il est vraiment très très beau. Ça, c'est des trucs qui me quittent pas. J'en ai encore de quand j'étais petite, des Sky Dancers. Et j'adore les fées volantes. En fait, vous tirez sur la ficelle et ça s'envole. Bon, je vais pas le faire dans la voiture parce que voilà. Et donc, on va montrer la poupée qui va avec. Et il y avait en fait donc la poupée qui va sur le support, sur le lanceur, qui est comme ceci. Oh, elle s'allume. Franchement, c'est trop beau. C'est trop beau. Je suis trop... J'adore. Je suis trop contente. Il est trop beau, trop belle. Par contre, elle a une tête un peu chinoise bizarre. Mais bon. Alors, attendez. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, elle est comme ceci. Voilà, elle est comme ceci. Donc vraiment très très belle. Et ça, c'est sûr, je vais la garder à vie. À vie, à vie, je vais la garder. Donc en fait, c'est vraiment fait comme les galops. C'est-à-dire que là, vous avez l'embout en...
qui est fait en mousse polystyrène, le support au-dessus pour renforcer et puis derrière aussi pour renforcer. Et voilà, bon, par contre elle a une petite tête un peu chelou comme je vous disais, mais par contre c'est les coupes typiques qu'avaient les fées Galob. Donc voilà, franchement le détail est sublime. Là vous avez des petites étoiles, une lune, j'adore les étoiles et lunes en plus. Et vous avez une petite voilà, ici vous avez ici une petite jupe holographique en matière fine. Franchement très joli, le détail des chaussures de danse en bas et puis ici ça s'allume. Alors je vais vous montrer ça, je sais pas si ça va bien se voir, mais voilà, vous voyez là ça s'allume quand je tourne l'aile, ici ça s'allume et normalement ici ça s'allume aussi. Vous voyez, voilà, là on voit mieux. Ici ça s'allume et ici ça s'allume en bas aussi. Voilà. Donc franchement, vraiment top. Si vous en avez d'autres de cette collection ou que vous connaissez des gens qui en ont d'autres de cette collection qui s'allument, je suis preneuse. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire d'où ça vient. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire ou bien à montrer ça sur Vinted, parce que je suis très preneuse et rechercheuse de celles qui s'allument. Voilà, donc franchement l'année c'est 2004. Ouais, c'est 2004 l'année. Ouais, voilà, ici vous la voyez en inversé, mais c'est une 2004. Alors, on va tester ça, je vais un peu la retenir. Et je voulais voir juste si ça s'allume en bas. Ah, c'est déjà sur on. C'est moi qui l'ai mis sur on ou c'était sur on? Démo, c'est quoi démo? Ok. Je pense qu'il faudra que je change les piles du socle. À mon avis, ça fait du bruit normalement. Par contre, on ne veut plus tirer les lanceurs là. Ah si, c'est juste j'ai mal emboîté, attendez. Voilà, vous voyez, ça compte comme ça. Bon là, je ne l'ai pas fait fort parce que sinon après, ça va taper contre le truc. Mais ça fait un truc comme ça en fait. Et après, quand tu tires plus fort, hop, ça vole comme ça. Et franchement, très joli. Par contre, je crois que ouais, il faut que je rajoute des piles dans le lanceur. Parce que normalement, il fait du bruit parce que là, vous avez en dessous voilà, des petits trucs pour le son. Et je pense qu'ici, les parties ici s'allument. Là et là sur la couronne, là aussi, enfin là, là et ouais, voilà, normalement ça s'allume. Bon, on verra. Donc ensuite on passe au suivant, donc une autre boîte comme ceci. Encore une ouverture compliquée. Alors attendez, oh là, Moisette, c'est où l'ouverture là-dedans? J'arrive pas à trouver l'ouverture. Ah ok, C'est bon, on a trouvé l'ouverture. On n'a plus qu'à découper. Oula. Ma jambe n'allait pas passer loin du ciseau là. Parce que le ciseau il a ripé. Mon dieu. Attendez. Aïe. Oh là là, j'ai plus de force dans les mains, dans les poignets là. Force de moineau. Vous aussi vous êtes team force de moineau ou... En fait, quand je suis sur les nerfs, je suis énervée, j'ai une grande force. Mais par contre, de manière générale, force de moineau. C'est limite si je me fais pas mal. Ah ouais, ok, je vois. Oh là là. Bon, me gâtez pas avec les ouvertures difficiles quand même. Ah là là. Mais bon, on va pas se plaindre. Je suis contente d'avoir ces choses et de recevoir ces choses, donc je vais pas me plaindre. En plus, pour le prix que c'était à chaque fois, je vais pas me plaindre du tout. Surtout que moi, petite, je faisais souvent les brocantes en plein air dans la ville de mes grands-parents en Picardie. Et plus grande... J'ai fait adolescente des brocantes comme ça en tant qu'acheteur par contre, et quand j'étais petite en tant que vendeuse, mais j'ai perdu un peu le goût d'aller sur les brocantes parce que soit les trucs sont vraiment vieux ou une vieille odeur, ou c'est plus pareil, on trouve plus des mêmes trouvailles ou des trésors comme avant. Enfin, je sais pas si vous avez cette même sensation, mais je trouve que les trésors en ce moment ils sont plus sur Vinted et Le Bon Coin. Après voilà, mais je préfère prendre sur Vinted, c'est plus sécurisé quand même. Parce que les arnaques sur Le Bon Coin, il y en a pas mal des arnaques hein, quand même. Puis après t'as les gens quand ils te voient en face, toujours les remises en main propre, ça saoule à force. Et puis quand ils sont en face et ils vous disent oh oui ok pour le prix, et puis une fois que t'es en face ouais, ça veut encore baisser le prix, voilà. Donc c'est énervant. Surtout qu'il y a des gens qui n'ont aucune valeur de certains trucs, qu'est-ce que ça vaut, et ils sont tout le temps dans l'abus en fait. Ah, ça y est, j'ai trouvé l'ouverture. C'est des ouvertures spéciales hein, quand même. Elles sont un peu cheloues, vos ouvertures de carton. Voilà. Ah, on a un petit mot. Bonjour, encore merci pour votre achat. Très belle nouvelle année. Et à bientôt sur Vinted. Oula, ça fait longtemps que la nouvelle année est passée quand même. Hein. Ça fait des mois.
Mais bon, c'est gentil. Et la personne s'appelle Hélène et elle a signé... C'est marrant parce que sa signature, on dirait un espèce de coquillage petit A, c'est rigolo. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon, franchement, je m'attendais pas à ce que ça soit une carte derrière parce que j'ai vu d'abord ce côté-là et puis en fait, c'est une carte. Et en plus, doré avec un petit soldat comme dans le Casse-Noisette, j'adore. Il écrit quoi ? Say... Alors, c'est le petit bonhomme qui dit ça. Say magically, magically, magically time and your dreams will come true. Voilà. J'aime beaucoup. Bah j'espère, hein. Écoute Hélène, j'espère que mes dreams come true parce que voilà, j'y mets beaucoup de volonté et beaucoup de cœur et voilà. Donc c'est comme ceci, franchement, elle m'a glissé une petite carte avec un petit mot trop mignon. Alors que c'est des gens que vous connaissez de ni d'Adam ni d'Ève, de nulle part, mais c'est vraiment trop mignon quoi. Enfin, moi j'adore les attentions comme ça, même de gens que je connais pas, j'adore. Donc ça, je vais la garder vraiment, et Dieu sait que je garde pas beaucoup de cartes et de mots des gens, mais celle-là, elle est vraiment très belle, et je pense qu'elle me resservira en décoration, voilà, pour les Noëls, chaque année, oui, je trouve que ça peut être sympa en déco, ou même pour la nouvelle année, ou même en déco tout court. Elle est vraiment très très belle, j'aime beaucoup, en plus c'est du papier glacé, doré, mais avec des reflets un peu miroir, j'adore, franchement, les petits détails, voilà, franchement, trop mignon. Et le petit mot, voilà. Franchement, merci Hélène, c'est très sympa, j'adore les attentions comme ça, j'aime beaucoup les attentions d'ailleurs, je suis très demandeuse en attention, mais voilà. Donc, après, c'est tout, il n'y a pas d'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, ce que j'avais commandé dedans, bah oui, c'est ça quand même, l'objet de ce colis qu'il faut montrer. Alors, c'était un t-shirt Primark que je ne retrouvais plus chez Primark et qui venait de sortir pourtant. Et il manque le sweat. J'aimerais bien trouver aussi le sweat pampan avec, qui est gris chiné avec rayures noires, roses et blanc. Je crois que c'est ça. Et là, vous avez la petite tête pampan. J'arrive pas à le trouver. Voilà. Et donc, du coup, je lui ai pris un t-shirt pampan, mais vraiment trop mignon. C'est bleu chiné et blanc, comme le ciel. Un peu comme le ciel, en fait. C'est ouais, chiné bleu et blanc avec un brodé pampan. Et franchement, il est trop mignon. Il regarde vers le haut comme s'il vous regardait. Et je trouve ça trop beau. Alors, franchement, c'est une taille L parce que il y avait d'autres tailles plus petites, mais plus petit, je pense que ça ne serait pas allé parce que des fois c'est bizarre les tailles, enfin les coupes, moi dans les magasins c'est trop bizarre à chaque fois. Je peux mettre différentes tailles, du XS, du S, du M, du L, même du XL des fois, donc voilà. Donc c'est un t-shirt comme ceci, pampan, bleu, chiné. Franchement il est vraiment très très beau et j'ai dû le payer 6 euros. 6 euros au total. Franchement, il est vraiment très beau. J'aime beaucoup. Je pense que je le porterai bien. Ouais, je vais bien le porter pendant les beaux jours et qu'il fera chaud et tout. Je vais bien le porter. Il est vraiment beau. J'adore. Voilà, coup de cœur. Coup de cœur fois 1000. Parce que là, j'adore. Et moi, j'étais trop émue par Bambi quand j'étais petite. Là, quand il perdait sa maman, là. Puis après, quand il rencontre sa copine. Puis après, quand Pampan, il rencontre sa copine aussi. J'aimais bien. Et puis Pampan, c'est le best friend, tu vois. Donc voilà. Attendez. Donc ensuite il nous en reste un, comme ceci. Voilà. Donc on va voir ça tout de suite. Oula, je m'inquiète. Pourquoi il y a... Attendez. Il y a un petit poil comme ça là qui sort de nulle part. Ça m'inquiète. Tu n'as pas mis ton chat dedans, j'espère. Bref, allez, on va voir. Oh, encore une ouverture compliquée. On est habitué à force. Enfin, oui et non, parce que j'arrive toujours pas à trouver les ouvertures. Mais c'est pas grave. Ouh, je me souviens plus ce que c'est. Franchement, très honnêtement, je me souviens plus ce que c'est. Ah ouais, d'accord. J'ai pas pris le bon côté pour ouvrir. J'espère que j'ai pas coupé le produit parce que là. Yé, c'est pas ce que j'ai foutu. Oh là. Que j'ai foutu. Ah, c'est dur là. Mais elle se plaint tout le temps, celle-là. Ah. Ah, c'est emballé dans du sopalin, hein. Oh, mais c'est quoi? Ah, d'accord, je me rappelle. Je comprends pourquoi c'était des cheveux roux. C'est pas des poils. C'est des cheveux synthétiques. Non, je n'ai pas pris une perruque. Donc attendez, je mets jamais de perruque. Sauf pour les fêtes, les déguisements. Ah ouais, elle par contre, je vais la garder, c'est sûr et certain. Alors, c'est la fée pirate dans Fée Clochette. Voilà. Et elle est vraiment sublime. Trop belle même. Il y a peut-être des petits fils qui dépassent, mais c'est pas grave, je découperai. Oh, j'avais pas vu sur la photo qu'il y avait un truc translucide tout autour qui sert de ceinture. Magnifique. Magnifique, franchement. Top.
Il n'y a pas de petits mots. Attendez, on n'a pas vu s'il y avait des petits mots. Non, c'est bon, il n'y a pas de petits mots. Donc, elle est comme ceci. Attendez, je vais prendre une... Yes. Ah, voilà. Donc, elle est comme ceci. Et je recherche aussi... Mon Dieu, je veux trop parler tout en même temps. Donc, elle est comme ceci. Voilà. Donc, là, vous avez un petit tulle. Une petite mini-jupe foufou. Alors, tulle violet à pailleté comme ça. Magnifique. T'as ça aussi en bleu foncé. Les petites mains sont trop bien faites, sont trop mignonnes. J'adore toucher les petites mains comme ça. Trop chou. Et là, vous avez le bustier pirate qui est vraiment bien fait. En mode chemise, chemisier. Les manchettes qui sont violettes. J'adore le violet. Surtout ce violet-là. C'est un violet bordeaux magenta qui est vraiment magnifique. Et là, vous avez une petite ceinture translucide comme ça en décor. Franchement, très très mignonne. Alors les ailes, on n'en parle même pas. Alors c'est du plastique mais souple, hein, vous voyez, comme ça, avec des petites dorures comme ça, vraiment très jolies, pailletées, translucide. La coupe de cheveux, elle est folle. On n'en parle même pas ou quoi? J'avoue, elle est folle. Ça s'est un peu tassé dans le truc, mais c'est pas grave. Elle a un peu la mèche à titeuf là. Bon allez, c'est bon, on arrête. Et j'aime beaucoup aussi le bandeau violet magenta là, qui est vraiment très beau. Après, les yeux marron vert, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, et j'aime beaucoup les bottines en bas, franchement, elles sont super belles. Vous voyez, c'est des bottines compensées, mais marron, c'est marron, marron comme le bois d'ébène dans la forêt. C'est vraiment beau. Il manque plus que des petits écureuils avec. Franchement, très très belle. Je suis fan, j'adore. Coup de cœur, je suis ravie. Et ah oui, je recherche dans la même collection aussi, si vous avez neuf, parce que cette Barbie est neuf, elle n'est pas abîmée, hein, y a pas de défaut, rien du tout. Si vous avez la fée, je crois que c'est Iridessa, qu'elle s'appelle Iridessa. Vous savez, la fée Renoir, là, qui a en habit, c'est jaune. Et elle a une petite graine de café ou de noisette ici. Et elle est super belle. Petit hic, j'en ai trouvé une sur Vinted. Le seul problème, c'est que elle a la deuxième aile qui est cassée. Donc voilà, donc c'est pas trop possible. Moi, je voulais avec les ailes entières. Et il n'y a pas de gens qui vendent les ailes séparément. Enfin, en tout cas, j'ai pas trouvé de gens qui vendent juste les ailes séparément en bon état. Donc voilà, si, pensez à moi. Dites-moi en commentaire si vous envoyez soit en magasin, soit sur Vinted la fée Iridessa. La fée Renoir, parce que je la veux. Voilà, elle est trop belle, je la veux. C'est comme la princesse grenouille, j'aimerais bien trouver la princesse grenouille. Non mais moi, j'ai fumé quoi encore? La princesse et la grenouille, je fume pas, hein. C'est une blague. La princesse et la grenouille avec la robe verte. Parce qu'on la voit souvent avec la robe bleue, mais moi je la voudrais avec la robe verte. Je sais qu'elle existe avec la robe verte, puisque dans le dessin animé, on la voit avec la robe verte, et je la veux avec la robe verte. Voilà. Donc, ah ouais, je vous ai pas montré sur la fée aussi, là, vous avez des boucles d'oreilles. Vraiment bien fait le détail. Là, un peu à la Esmeralda, c'est ça que j'aime bien. C'est qu'il y a un côté un peu bohème dans ce côté pirate. Et ça me fait penser aussi à Pirates des Caraïbes. Enfin bref, c'est un mélange. Fée clochette, Pirates des Caraïbes, et puis voilà. J'aime beaucoup. Et Esmeralda pour le côté boucle d'oreille, un peu bohémienne, gitane. Donc voilà, ouais, franchement, top. Ça, je la garde, c'est sûr. Je pense, je verrai, juste pour les petites sirènes, je pense que je les mettrai en ligne. On verra ça, mais je vous les mettrai en ligne, je pense. Parce que je suis pas sûre de garder. Est-ce qu'on avait... Ah, ok. Ouais, ok. Ok, bon, là, c'est fini pour le... Ouf. Je réfléchissais. Et j'hésitais à vous montrer un truc, mais finalement je m'en tape en fait. Je vais vous le montrer. Je vois pas pourquoi j'aurais honte de montrer ça. C'est ridicule en plus. Voilà. D'avoir honte. Bah oui, ça l'est. Le ridicule ne tue pas. Voilà. Puis au point où j'en suis. Hein. On est plus très loin là. On s'en fout. On s'en fout de ce qu'on montre ou ce qu'on montre pas. Enfin bref. Alors, on a un colis comme ça, ça vient pas de chez Amazon, ça vient de chez Vinted aussi. Donc je vais vous montrer, et normalement c'est des DVD, oui, parce que vu le bruit, je sais ce que c'est. Et oh là là, mon Dieu, j'ai envie de rôter encore. Pardon. Je suis une vraie gorette, hein. Une vraie pompe à la, en fait. Ouais, c'est bon, c'est là. Voilà, voilà, avec des ouvertures compliquées, je coupe tout n'importe comment. Là là.
Voilà, c'est un massacre. Bon, c'est pas grave, il sera quand même réutilisable. C'est format enveloppe. Ça. Ah oui, j'avais commandé sur Vinted en fait à un mec. Oui, à un mec. Des DVD Pokémon. Je suis une grande fan de Pokémon. J'ai baigné dedans. Hein. Moi, c'est apparu Pokémon. J'étais en CE1, CE2. Voilà, donc j'ai connu les débuts et aujourd'hui j'aime toujours. Et vous savez qu'il y a des tonnes, enfin des tonnes. Oui, il y a plusieurs films qui existent et qui sont sortis. C'est pas, il y a pas uniquement trois films, même si les trois premiers films pour moi ce sont les best de the best, les meilleurs. Mais voilà, il y avait d'autres films qui étaient sortis et c'est très difficile aujourd'hui de les retrouver en DVD à part sur Amazon. Mais des fois ils sont plus cher ou trop cher justement parce qu'ils sont durs à trouver. Vous pouvez les regarder en streaming, mais moi il y a certains que j'ai bien aimé, donc voilà pourquoi je veux les garder. Il y en a un, j'espère que je me suis pas trompée, je le visionnerai, au pire il finira sur Vinted. Je sais pas si vous connaissez le film Pokémon où il y en a un, ils sont sur un bateau et je crois qu'il y a une histoire d'énigme où je sais pas si je confonds avec un autre film, mais il me semble qu'il y a un truc avec un bateau. Je parle pas de Pokémon 2 hein, je parle un autre. Et il me semble que c'est celui-là, donc je suis pas sûre, donc je l'ai pris quand même, on verra. C'est Pokémon Ranger et le Temple des Mers, comme ceci, que j'ai pris. Donc voilà, franchement, j'adore. Déjà, le design de la pochette, hein, s'il vous plaît, il est top, j'adore. Et c'est les boîtiers jaunes, comme à l'ancienne. Ah, par contre, le boîtier est un peu pété au bout, il l'a pas mentionné ça. Bon, oh, je m'en fous. C'est le DVD ou le boîtier qu'on veut? Bon, c'est mieux si le boîtier est intact, mais voilà. Ah, par contre... Le film est en écran 4 tiers. Alors j'espère qu'il va passer en 16 neuvième parce que des fois mon lecteur DVD retranscrit des DVD 4 tiers en 16 neuvième. J'ai eu le cas pour Pokémon 1 qui normalement est en 4 tiers et comme j'ai un petit écran LCD je crois, et du coup il l'a mis en 16 neuvième. Donc peut-être qu'il va me le mettre en 16 neuvième. On croise les doigts. Mais voilà. Ah là là. Ça y est, je suis fan là, je suis déjà à fond dedans, comme si je visionnais le film. Ouais, et l'intérieur c'est comme ceci, voilà. Donc là vous avez une petite feuillette, et là, bon le CD il est sympa. Hein. J'aime bien toujours les graphismes, les designs qu'ils font, les petits trucs sympathiques. Voilà. Ah, j'aime bien cette image. Je la découperai, je crois que je la colorerai en manette à frigo. C'est quoi, il y a des astuces pour Pokémon Ranger en jeu sur... c'était sur la DS je crois. Ouais c'est ça, sur la Nintendo DS. Ils ont mis là ici. Et là t'as... Franchement l'image elle est trop belle. Ça je pense que je vais la découper et je vais la foutre en magnète sur mon frigo. Trop beau. Voilà. Oui je suis tarée. Mais je le vis bien. Alors, et on a... j'ai pris un deuxième. C'était Pokémon le Maître des Mirages, film inédit. Je sais plus pourquoi ils ont dit film inédit, mais je pense que c'est parce que ouais, elle était peut-être à part. C'est quand vous avez le retour, je crois que c'est un des derniers, il me semble, hein, si je dis pas de conneries, mais elle est bien. Où il y avait tous les Pokémon légendaires et vous avez le retour de Sacha, Ondine et Pierre. Sacha, non, il y est déjà, qu'est-ce que tu racontes toi? Tu racontes de la merde là. qu'il y avait déjà Ondine et Pierre, voilà. Qu'il y a Ondine et Pierre qui reviennent, qui font leur retour, leur comeback baby. Et donc, ouais, c'était pour le 10e anniversaire de Pokémon. Waouh. Le film est de 2006. Oh my god, 2006 déjà. Ça fait bizarre. Ouais, donc il est comme ceci. Et d'un, vous aviez tous les Pokémon légendaires. Il y a Entei qui revient. Il y a Sulfura, je crois pas que Sulfura, non. Elector. Oh là là. Et lui aussi, c'était mon préféré, Articodin. Mew, Mewtwo. Il y a Suikin aussi, je sais pas s'il y a Suikin qui revient. Suikin, oh, je kiffais ce Pokémon, il est trop beau. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Et là c'était pour le 10 ans. Donc comme c'est le film inédit, je suppose qu'il est très rare à trouver en DVD. Après, je ne sais pas. Pas plus cherché que ça. Là il n'y a pas de petite feuillet et le CD comme ceci. Je vais regarder sur l'autre si le DVD est abîmé ou pas. Oh, j'adore la technique de ce DVD. C'est les systèmes de boîtier push-up comme ça. Vous appuyez dessus et ça éjecte le truc. Non, c'est pas comme dans les autres DVD. Vous allez dire, bah oui, mais comme dans les autres DVD, hein. Mais non, c'est pas comme ça. C'est un système... Oh, je kiffe le système. Oh, c'est satisfaisant quand j'appuie dessus avec le doigt. J'aime bien. Alors, est-ce que le...
Yeah. Franchement, le CD, il est dans un état nickel, nickel. Il n'est pas abîmé, il n'y a pas de... Il y a une micro-rayure, mais... Franchement, bon état. Je suis contente. Je suis contente. Voilà. Ça, c'est fait. Oui, c'est tout pour... Attendez, que je dise pas de conneries. Que je dise pas de conneries, là. Donc, c'est tout pour ce vlog-ci. Ce vlog est un gigantesque unboxing Disney, majoritairement, et Pokémon. Voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo. La vidéo suivante qui va suivre, elle sera... peut-être pas, elle sera sûrement pas, c'est sûr, même mise tout de suite sur ma chaîne, peut-être quelques semaines, quelques mois après, voilà, mais voilà. Donc là, je vais enchaîner avec un autre vlog, toujours Vinted, voilà. Oui, je suis un peu gaga de Vinted, j'ai un peu pris la drogue Vinted, voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à aller voir sur mon Vinted s'il y a des choses qui vous intéressent. Voilà, franchement, j'ai mis que des prix convenables, les prix sont au plus bas, je peux pas faire mieux. Voilà, donc n'hésitez pas parce que je mets régulièrement des choses et puis souvent des choses que je reçois dans les unboxings parce que finalement je suis déçue mais que ça peut vous plaire à vous, peut-être que ça vous plaît à vous. Et même si ça me plaît pas à moi et donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, franchement je suis trop contente de vous partager ces choses là des vidéos et c'est aussi pour vous que je fais ces vidéos là parce que je pourrais ne pas montrer ce que je reçois mais voilà, j'aime bien faire ça aussi, vous partager les choses, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao.